Parce qu'il y a encore 10 ans, hein, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar. Et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients. Et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Corral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer.